les amis, j'espère que vous allez bien. Vous avez déjà vu tout à l'heure les séquences précédentes, mouvement fluide de la caméra, gros plan, mouvement et tout. On l'appelle ça du traveling en cinématographie. Donc c'est un appareil que je vais vous présenter. Et là, je viens de le recevoir. Donc dorénavant, je vais filmer mes bacs avec cet appareil. Je vais vous montrer qu'est-ce que c'est, un slider. Let's go! Allez, on va déballer ce petit joujou. Oh, ça a l'air pas mal. Jolie sacoche de protection. Wow. Alors, voici le slider tout en carbone. C'est joli. Alors, au fait, c'est un slider, c'est une raille pour filmer des plans comme vous avez déjà vu. Alors ici vous avez une sorte de pied pour régler je sais pas moi, par exemple là je mets au 4, là je mets au 4, je serre, là je mets au 4 aussi. Alors il faut régler les deux côtés, bien entendu. Je vais vous faire une petite démonstration. Donc en fait, le slider ici, vous fixez votre caméra et vous dirigez d'un côté à l'autre pour avoir des mouvements très très fluides pour filmer. Tout simplement, voilà. Et en plus, sur les pieds, on peut régler le niveau comme on voulait pour stabiliser l'appareil. Et ici, vous avez plusieurs sortes de trous. Voilà, vous avez beaucoup de filetages différents pour fixer sur les trépieds ou des gros trépieds. Pour éviter que si la caméra elle est trop lourde, ça peut pencher d'un côté comme de l'autre. Et le plus simple, c'est que je vais vous faire une démonstration et puis on va voir, je vais tester ça. Voilà. Ici c'est pour fixer la caméra. C'est vraiment très très fluide hein, comme mouvement. Donc on va faire des jolis plans avec. Ça peut très bien marcher de haut en bas, par exemple. Il suffit de glisser comme ça. Ou alors en avant ou en arrière, quand on filme en traveling. Voilà. Allez, on va fixer sur le trépied et puis on va tester ça. Ça y est, le slider, je l'ai monté sur mon trépied. Alors, il faut savoir, il faut quand même un slider, un trépied assez costaud. Parce que si vous n'avez pas un trépied assez costaud, si vous avez un appareil photo qui est un peu lourd, bon, celui-là c'est un Panasonic, donc il est quand même assez léger, donc ça va, c'est pas, ça penche pas d'un côté ou de l'autre quand je vais jusqu'au bout ici, parce que j'ai vu sur certaines vidéos où vraiment il faut des rotules et des trépieds super costauds pour les caméras, on va dire allez, 3, 4, 5 kilos. Et malheureusement, dans les démonstrations, certains caméras ou l'appareil photo peut pencher un peu. Là, ça va encore. Donc, alors, voilà, je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Vous voyez, même je vais pousser un petit peu, ça commence à bouger un peu. Alors, il faudrait qu'en bas ici, je vais attacher un contrepoids, quelque chose de lourd, pour que le trépied soit stabilisé. Pour l'instant, c'est un essai et puis on va voir ce que ça donne.
fait, là, j'ai lancé ma caméra. Voilà, j'ai fait une mise au point, toute bête. J'appuie sur enregistrement et je vais faire des séquences très très lentes comme ça. Alors, il existe les modèles télécommandés, programmables, c'est-à-dire de point A à point B, 10 secondes, 20 secondes, selon votre besoin. Mais ça coûte un bras, ça coûte dans les 600 balles. Même on peut monter jusqu'à 2000 balles si on veut, avec un joystick, avec une application sur téléphone. On peut faire beaucoup de choses avec. Mais voilà, je me suis fait plaisir, j'ai acheté un petit truc comme ça, ça coûte 150 balles, ça me suffit, je pense, pour faire des beaux petits plans et tout, pour éviter que ça tremblote. Et puis, chaque fois que la caméra reste fixée sans bouger, c'est très monotone, c'est pas dynamique. Les images, c'est toujours c'est ce qu'il y a de plus important, ainsi que le son, bien sûr. Et puis, bon, ben là, je pense que j'ai trouvé mon petit bonheur et tout. Tout va bien. Je vais faire quelques plans pour vous, et puis voilà. La prochaine fois, je vais essayer d'acheter une tête pivotable pour que quand je vais glisser ma caméra, et je peux faire des plans complètement différents, et puis on va voir ce que ça donne. Alors, je peux faire ce mouvement-là, c'est-à-dire que je vais glisser de haut en bas ou depuis le bas jusqu'en haut pour faire des plans. Vous allez voir. Et voilà les amis, j'espère que vous avez bien aimé cette petite présentation de mon slider pour les futures vidéos. Voilà, je vais faire un petit pas en avant pour rendre les vidéos un petit peu plus dynamiques et plus fluides, plus agréables à regarder. Et puis bon, si vous aimez cette petite vidéo, n'hésitez pas à me soutenir en mettant un like. Et puis si vous voulez partager, n'hésitez pas à partager. Et puis, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, c'est gratuit. Cette chaîne consacrée exclusivement sur aquariophilie, un petit peu de voyage quand je voyage avec mon poteau ou ma famille. Et puis, un petit peu de mécanique de temps en temps, mais ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Donc, peut-être que j'en referai une. Voilà, en tout cas, les images sont sympas à regarder. Des petits mouvements très dynamiques et tout, ça rend une vidéo moins monotone, on va dire, c'est un mot. Voilà, allez, je vous dis à la prochaine vidéo qui va sortir bientôt sur les questionnaires, c'est-à-dire FAQ. Je vous ai pas oublié. Allez, salut les fans du bocal, n'oubliez pas, soyez heureux dans la vie. Allez, ciao.